Le 15 octobre 2021, Guillaume Canet a fait part de sa grande tristesse après le décès d'une personne très chère à son cœur, le petit Fahim, mort alors qu'il n'était qu'un enfant. Très touché par la perte brutale du jeune garçon, l'acteur de 48 ans a souhaité lui rendre un dernier hommage sur Instagram. Membre de l'association C'est que du bonheur, association qui a pour but d'aider les enfants hospitalisés créée en 2005 par Hélène Si, le mari de Marion Cotillard avait rencontré le jeune homme lorsqu'il était hospitalisé à l'hôpital Necker.